Oui, c'est ça, une intrigue policière. Monsieur est en train d'écrire une nouvelle pièce. Oui, oui, c'est ça, policière. Une nouvelle pièce. Bon, en tout cas, monsieur, ça va être excellent, excellent. Là, si ça vous dérange pas, il faudrait que j'aille mesurer la salle de bain, moi. C'est pour mon annonce du loyer. Pas de problème. Mais je ne sais pas pourquoi elle rit. Ce n'est même pas une comédie. Elle n'a pas le contexte. Ouais, en tout cas. Mais au moins, je pense que là, ça marche. Oui, mais n'oublie pas le sang. Le sang. Mais oui, le sang du mort par terre. Tu veux que ce soit crédible? Uh-huh. Avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils pourraient détecter des traces et fini, Georges. C'est vrai, chérie. Merci. Le sang. Il ne faut pas que Georges soit placé trop près de sa victime non plus. Ah non? Non. Sinon, le sang pourrait gicler sur lui. Alors, il faut qu'il s'assure de garder une certaine distance. Distance. En tout cas, monsieur, si vous avez un corps à cacher, je ne serai pas dans la salle de bain. Hein? C'est bien trop petit. Bonne chance, quoi, monsieur. Déjà venu prendre des mesures pour son annonce de loyer, elle? Ah, oui, pour la chambre à coucher, la cuisine et le salon en trois visites. Et là, elle revient pour la salle de bain. Elle fait une pièce à la fois. Une chance qu'on n'a pas un 12 pièces et demie. Pourquoi on déménage, hein? On est bien ici, non? Oh, je suis tannée de la ville, Julie. La campagne, ça va m'aider à me concentrer sur mon écriture. Et c'est parce que toutes tes pièces ont été écrites ici et elles ont toutes eu du succès. Et moi, je vais devoir me taper une heure de plus pour aller au travail. Oh, je sais, mais tu sauras me remercier quand tu vas devenir trop populaire. Tu vas voir. Bon, on fait quelque chose. Henri? Si ça ne te dérange pas, je continuerai l'écriture. Je me sens inspirée, là. Ton amie, Jasmine, il me semble que ça fait longtemps qu'elle veut que vous alliez souper ensemble. Ce serait le bon moment, non? Non, ça va. J'ai compris. Je vais lui téléphoner. Bonsoir, monsieur. Hé, hey, désolé de vous déranger. Alain Malin m'a dit que vous étiez un auteur très drôle. Mais moi, je suis un ouvrier bien compétent, puis c'est moi qui vais installer le spa. Le spa? Ouais, ben tu sais, Mme Aline va installer un spa là, à côté du patio. Un spa à côté du patio? Ben, on n'a jamais parlé de ça. Vous savez, c'est à la mode, hein? Puis votre loyer va être alloué bientôt. Fait qu'elle veut augmenter sa clientèle, bien évidemment. Augmenter son prix aussi, hein? Mais dérangez-vous pas, je viens juste prendre les mesures pour commencer le plus rapidement. Je vois. Monsieur? Oui? Vous commencez les travaux quand? Ben, Mme Aline veut qu'on fasse rapidement pour son annonce. Ouais. Fait que j'avais planifié commencer ce soir. Ça ne me dérange pas? Pas du tout. Allez-y. Hey, c'est bien par là, le spatio. Oui, c'est ça. Pas je pensais. Bon. Je vais seulement prendre un verre avec Jasmine, finalement. Et tu avais raison. Elle a hâte de me voir, elle! Génial! Bonne soirée! Amuse-toi bien, chérie! Et ne te presse pas trop pour revenir, hein? On dirait que ça te fait plaisir que je parte. Mais non, mais c'est juste que c'est rare que tu aies des moments juste à toi ces temps-ci. Alors, je veux que tu en profites! Tu vas être un mois bientôt sans pouvoir en profiter à cause de ta nouvelle pièce, hein? Tu as raison. Tu es gentil. Allez! À plus tard. Plus tard. Comment? Vous partez déjà? Non, je vais chercher mes outils. Vos outils? Mais je commence ce soir à creuser le trou. Le trou? Le trou du spa. Et c'est un trou profond? Ben, juste assez pour un spa. Oui, mais c'est profond, ça? Ouais, une coupe de pied pour la dalle. La dalle? En ciment?
En ciment? Oui, en ciment. Je suis bon là-dedans. Ah. Je vous garantis, ça va être solide, puis hey, ça va durer 200 ans. 200 ans? Je te garantis. Oui, je serai en mesure de vous remettre le texte dès ce soir. Comme convenu, oui, et personne ne saura que c'est moi qui l'ai écrite. Oui. Oui, mais je serai chez moi toute la soirée, oui. Mais il vaudrait mieux que vous passiez avant que Julie ne revienne. Oui, elle vient de quitter, là. Oui. Ah, très bien. D'accord, je serai ici. C'est pourquoi ça? Et pour le trou, monsieur! Et puis je vous garantis que ça va être un beau trou bien fait. Ah. Chacun son domaine, hein? Oui, c'est ça, chacun son domaine. Bon. L'angle frontal. Ah! Cinq! Ça vous ferait deux morts! deux morts? Ben oui! Comme dans votre
ça? Ça. Ça. Ah, ça, ça! Ça, c'est pour écrire! Ouais, ouais, c'est pour écrire, ça me donne des idées. Vous savez, un auteur, ça a besoin d'être inspiré, puis une lumière comme ça, ben ça, ça... OK, ben, chacun son domaine, hein? C'est ça. Mais j'ai vérifié, puis, eh ben là... C'est ce que je vous disais! Ouais, mais c'est parce qu'il faut l'enlever, hein, pour mettre le spa, là! Ah non, vous recommencez pas, mon ami, me dire qu'elle est là! Non! Oui, non, oui, oui, elle est là! Bon! Mais il faut l'enlever pour mettre le spa, là! Pour mettre le spa, là, le spa, là! Oh. Et là, la statue? Faut l'enlever! Mais oui, enlevez-la, la statue! Hey, d'accord, monsieur, d'accord. Moi, là, je voulais juste avoir votre accord, hein? C'est d'accord, c'est d'accord! Vous voulez la ramasser? Non, non, ben, non! Je pourrais la mettre dans le jardin. Où vous voulez? Placez-la où vous voulez! D'accord, monsieur! Monsieur? Oui? Le trou, ça avance? Ah, le trou, ça avance, et ce oui. sera un beau trou. Eh bien, et la dalle? Ah! La dalle, je pensais revenir aux petites heures, hein, puis comme Mme Aline veut que ça se fasse rapidement... Très bien, aux petites heures demain, très très bien. Ben, je place la statue dans le jardin, mais ça me dérange pas si je laisse mes outils dans le spatio. Pas du tout! Ça me tente pas d'être en retard, puis comme Mme Aline veut que ça se fasse... Pas du tout, pas du tout! Parfait! Et pour quitter, vous n'avez pas besoin de repasser par l'intérieur, quoi faire?